Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour la finale de la Ligue des Champions entre Manchester City qui peut aller chercher leur première LDC et l'Inter qui peut aller chercher leur quatrième LDC. Il y aura un petit duel aussi entre Erling Haaland et Lautaro Martinez et aussi peut-être pour le Ballon d'Or parce que si Erling Haaland gagne cette LDC ou Kevin De Bruyne, ils pourront postuler pour aller chercher ce fameux Ballon d'Or. On est parti pour mon pronostic de cette finale de LDC. Alors tout le monde va penser que Manchester City peut éclater cette équipe de l'Inter 3 ou 4-0. Moi, je pense pas. Je pense que ça va être un match hyper serré. S'il y a même des prolongations ou des tirs au but, c'est possible même que l'Inter peut s'imposer. Mais moi, je pense quand même que c'est Manchester City qui va s'imposer. Ça va être compliqué. Peut-être on peut avoir un match nul à la mi-temps. Mais moi, je partirai sur une victoire de Manchester City 2-1. Je pense que Manchester City va s'imposer 2-1. Et moi, de toute façon, j'ai misé de l'argent sur vainqueur Manchester City avec deux buteurs potentiels. Erling Haaland, qui n'a pas marqué en demi-finale contre le Real Madrid et qui voudra absolument marquer dans cette finale. Et pourquoi pas un qui est vraiment en forme. J'ai hésité entre trois joueurs, mais moi, j'ai mis Bernardo Silva. Après, on aurait pu tenter aussi Gundogan qui est en forme actuellement, aussi Kevin De Bruyne, mais moi j'ai mis Erling Haaland buteur, Bernardo Silva buteur aussi, et une victoire de Manchester City 2-1 dans la douleur contre cette équipe de l'Inter. Ça va être un match, je pense, plus compliqué que prévu pour Manchester City. Dites-moi en commentaire vos pronostics de cette finale de LDC, et puis après ben, on va se retrouver pour les derniers pronostics de la Ligue des Nations. Et aussi ben, de l'équipe de France. Ciao les amis.